Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Milly Mello? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud avec le girls group coréen Quexy et leur tout nouveau single qui s'intitule No Limit, une nouvelle mixtape de leur part. Mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson, roulement de tambour, générique. Il faut savoir qu'il y a peu, ils sont déjà revenus avec un nouvel album et leur titre phare, No Good Home. Je vous mettrai ici le lien de ma réaction. J'avais beaucoup apprécié. Quexy est un groupe qui se différencie aussi des autres girls group. C'est pas cucu la praline comme j'aime pas trop. C'est vraiment quelque chose de badass, parfois de très dark, de très sombre. En plus, les membres composent et écrivent également leurs chansons, enfin pour la plupart. Donc d'autant plus, j'aime ce genre de groupe quand ils s'immergent complètement dans ce qu'ils aiment, tout simplement. Hier, ils ont sorti donc cette spéciale mixtape pour leur single No Limit. Et aujourd'hui, le single est sorti officiellement sur les plateformes de streaming. Je n'ai vu aucun teaser photo ni vidéo parce que j'avais pas envie de me spoiler. Je sais même pas s'il y en a vraiment eu ou quoi. En tout cas, quand j'ai checké sur YouTube, la vidéo est apparue hier. Et je me dis, on va la faire aujourd'hui comme le single sort officiellement aujourd'hui. Mais avant de réagir, comment allez-vous aujourd'hui, mes chers Milly Mello, en ce mardi 9 mai. J'espère que vous vous portez bien et que votre journée s'est également bien passée. Moi, je suis relativement un petit peu mieux que hier, avant-hier. Après, je vais pas vous mentir, hier soir, j'ai eu de nouveau un moment de down parce que je me sens vraiment un peu nulle parce que je suis vraiment presque alitée tout le temps dans un fauteuil ou ici dans mon fauteuil de bureau. Je ne bouge pas, je sais rien faire, j'utilise même plus les béquilles parce que tellement que j'utilise les béquilles, j'ai mal à mes deux mains avec mon poids. Bah oui, je suis pas non plus mannequin, je suis pas légère. Hein. Et de voir mon copain tout faire, j'en ai marre en fait. En fait, je suis quelqu'un qui bouge tellement, qui aime tellement faire des choses, qui va tout le temps partout, qui court partout, que quand je suis immobilisée, pour moi, entre guillemets, c'est une torture, tu vois. Donc voilà, hier, oui, il y avait vraiment à rien comprendre, vraiment des hauts et des bas. Aujourd'hui, ce matin, je me suis relativement réveillée de meilleure humeur. C'est vrai qu'avec ce bain froid que mon copain a fait pour mon pied, ça m'a fait un peu du bien. C'est vrai que quand t'as une entorse et que tu mets vraiment du froid, ça décongestionne. Donc, ça dégonfle plutôt que décongestionner sur le nez. Et là, après mes vidéos, je vais mettre ça sur ma clé USB et monter ça sur mon ordinateur portable, hein, comme d'habitude, parce que c'est mieux. Je vais aller chercher la pose de glace en bas et hop, poche de glace pendant 2 heures sur mon pied, ça va me soulager. Donc voilà, je suis toujours handicapée, j'ai toujours mon entorse, ça va durer encore quelques temps, vous allez encore m'entendre rouspéter, mais je suis relativement encore fatiguée, mais pour le moment, maintenant, quand je vous parle à travers la caméra, je suis de meilleure humeur. Donc voilà, c'est déjà ça quoi. Je vais pas vous mentir. Vous savez que je suis quelqu'un de transparente et j'ai pas envie de vous dire « Oui, tout va bien !» alors que pas forcément non plus. Et comme une de mes abonnées m'a dit hier en DM, « Tu restes humaine, Mel. » Et franchement, merci parce que ton message m'a vraiment, vraiment touchée. Vraiment touchée. Elle se reconnaîtra. Allez, let's go. Pour a Quexy No Limit. Ça fait penser un petit peu à une comptine austère là pour les gosses là, tu vois. J'aime le fait que tout est en noir et blanc, sauf ses oncles qui font vraiment orange pétant. Le sourire. Nous sommes devenus à un autre niveau, du bas ou de haut. J'aime bien ce côté un peu jazz en arrière-plan. Ça, c'est un très bon rap. Yeah.
n'y a qu'une membre, hein. Je suppose qu'ils vont sortir peut-être des singles et des mixtapes pour chaque membre. Ce serait bien, n'empêche, hein. Ah non, j'ai parlé trop vite. Contrôle V, contrôle le si. Nous allons vous montrer l'originalité de Craxy. Montrez seulement. Avec notre couleur. Ok, je pense qu'ils ont tourné en même temps que leur quatrième mini-album. Hein. C'était leur quatrième, je pense. Hein. On voit le titre là, Nobodom, derrière. Oh! On passe vraiment du hip-hop rap et là, on a un côté un peu plus pop-rock comme ça. Hein. J'aime bien cette partie-là. Ne t'inquiète pas, elle reste avec nous. Mais je reste avec vous, les gars, je vous soutiendrai n'importe quand. Et ça se finit comme ça. Alors, les membres ont directement participé aux paroles de la chanson et ça se sent. J'aime déjà les deux raps. Dès le début, ouais, je suis né en 1997, je viens de tel, nanananananan, voilà que je suis, pam, 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 pam. Nous sommes les Craxy, on va vous montrer qui on est. Et j'aime ces valeurs, j'aime le fait qu'ils montrent tout simplement qui elles sont. Et on aime ou on n'aime pas. Moi, j'apprécie beaucoup. J'aime le fait que c'est un peu comme en chapitre, j'ai l'impression. La chanson, on a vraiment ce côté très hip-hop rap au début, même limite R&B. Et puis, on a un côté un peu plus rythmé, un peu plus pop, rock. J'avais même l'impression qu'au début, avec cette guitare, je sais même pas si c'était vraiment de la guitare, on avait un côté un peu jazz, classique comme ça. Mais à mon avis, je me gourre, je sais pas. C'est clair que la chanson... elle contient une certaine, un certain message, comme si c'était une sorte d'aspiration à croire en soi, à croire au groupe, à briser toutes les limites, comme le titre dit, nos limites, de suivre son propre chemin, peu importe ce que la personne en face de toi peut te dire, ou même tes proches ou ta famille. Donc oui, j'aime beaucoup cette chanson. Le MV reste très simple, on retrouve même quelques plans de leur précédent comeback avec leur titre phare Nobodom. On voit même les affiches, les posters derrière elles. J'aime beaucoup leur tenue, j'aime beaucoup aussi leur attitude en fait à travers écran. Tu vois vraiment qu'elles sont hyper sûres d'eux. Franchement là, j'ai vraiment hâte de voir leur futur projet, leur nouveau mixtape, on va dire comme ça. Surtout comme je vous l'ai dit au début de ma vidéo, ils s'investissent vraiment dans leur musique. Et c'est ça que j'aime bien avec les groupes qui s'investissent, mais de toutes parts, dans la composition, dans l'écriture, même limite du visuel du MV, leurs idées et tout, comme beaucoup de groupes pour le moment le font. Ben, je peux citer Seventeen, je peux citer Stray Kids, je peux citer G-Idle et quelques autres, mais il n'y a que ces trois-là qui me reviennent pour le moment. Leur single, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, est sorti et sur les plateformes. Il est composé juste de ce titre et pas de version instrumentale. Et au niveau du visuel de la jaquette, tu as simplement une photo des 5 membres où on les voit vers la fin. Hein. C'est vraiment dans une zone industrielle, dans une sorte de vieille usine. On dirait que ça a été tourné. Leur tenue, j'aime beaucoup. Très simple, il n'y a pas de titre, pas de police. Mais il n'y a rien à dire. Je pense qu'il ne fallait pas faire plus pour l'image d'un single. Voilà. Et vous, mes chers Méliwilo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout, comment vous avez apprécié tout simplement le retour avec ce nouvel single. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle chanson, de cette mixtape tout simplement composée et écrite par elle-même. Je sais que ma phrase, là, ce que je viens de dire, ça veut dire la même chose les trois fois. Laisse tomber. Faites pas attention. Qu'est-ce que vous pensez également du MV qui l'accompagne? Moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un tout petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye. Sayonara.